Salut les Chiquis, c'est Mouchou, comment allez-vous? Moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve devant Azrael encore une fois pour aller chercher le deuxième rayon lumineux. J'ai pas encore trouvé de bon nom adéquat, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être qu'ils l'ont dit avant, peut-être que je m'en suis même pas rendu compte. Mais enfin voilà, donc, on va rester sur rayon lumineux. De toute façon il dit rayon, alors ça me va. Donc rappelez-vous, la pièce, le design de la pièce a échangé pour me permettre d'accéder bien sûr aux autres rayons, c'est le principe de... d'avancer dans une quête, d'avancer dans des quoi d'ailleurs dans des énigmes. Pourquoi il me demande de rayonner je peux pas grimper dessus. Ah, peut-être que sur celui-là, si. Et ça c'est cool, parce qu'on peut tourner, tourner et tourner. Et ça c'est vraiment ce qui manquait aux autres jeux autres que Dark Souls. On peut pas tourner autant. Bon, il y a quoi d'autre qu'on peut se faire? On peut aller chercher ça là-bas, ou on peut pas. Je sais pas vraiment où il faut aller en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Peut-être tout en haut. Peut-être que c'est tout en haut, il faut que j'aille. Ah oui, il y a un truc. Ouais, d'accord. Bon, ça doit être avec la bombe. Je pense que tout est à faire avec la bombe. Ah, en plus, je peux sauter, d'accord. Okay. Bon, d'accord. Pas plus. Bon, c'est pas grave. Ça me suffira pour aller chercher ça. Peut-être que j'aurais dû activer les téléporteurs avant ou arrière, ça c'est pareil, mais bon, j'arrête les blagues pour aujourd'hui. Ce ne sont pas des blagues d'ailleurs. Peut-être que c'est en face, je sais pas. Et pas de. Bon, ben, ça sera à la main, il n'y aura pas de rayon pour diriger le lancer. Là ah non. Mieux. Voilà. Avec un peu de chance. Oh, c'est pas. Ah, je dois attendre encore un tour, c'est vraiment chiant quoi. Ils auraient pu faire un truc mieux. Ou un mieux truc. Enfin, quelque chose de meilleur. Donc, du coup, là, je suis obligé d'attendre un tour complet, c'est agaçant. Et donc, ça sera de l'autre côté qu'il faudra que j'aille. Ou tout en haut. Enfin, ouais, tout en haut. Ok, ça. Et il me reste plus qu'à trouver un portail par lequel passer. Il doit y en avoir à foison en bas. Ouais, lequel par contre? Bah celui-là il est très bien. Enfin, c'est pas celui que je préfère, mais bon, ça fera l'affaire. Voilà, tac. Je suis débile. J'aurais dû attendre de regarder où c'est qu'il m'envoie. Donc, allez, c'est quand qu'on a une porte devant nous. C'est pas encore, c'est... Ah, non, c'était pas là. Ouais, bon, il n'y a plus qu'à attendre. Ça fait déjà longtemps qu'on attend. Mais... ouais. Donc jamais, hein, jamais on va voir une porte. Non mais sans déconner, là. Je crois qu'on a fait un tour complet. C'est vraiment là qu'il faut que je l'envoie. Redirige les rayons. Il fait bien devant une porte, hein. Pourquoi je l'ai pas vu passer? Si vous l'avez vu passer, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment un âne. Donc je vais faire en fonction de ça, hein, du coup. Ah, j'y suis bientôt alors, faut pas que je me loupe. Ah, mince! Non. Non, tu t'es fail encore. C'était peut-être là, hein. C'était peut-être au niveau du lampadaire bleu. C'est bizarre, hein. Il me semblait pas que c'était aussi, aussi réfléchi pour le deuxième niveau, il me semblait que c'était pour le troisième. C'est un peu débile. Du coup, je sais même pas où c'est. Il y a tout en haut là-bas. Il y a là. Et l'autre, il va commencer à m'énerver à force de me parler de rayon. Je suis allé complètement au pif. Hein. Je voulais même pas y aller d'ailleurs. C'est mon truc, il a avancé tout seul. Ouais, bah c'était pas gagné. Hein. Wow, j'ai déjà perdu combien de temps? 4 minutes. C'est juste horrible. Je me sens trop mal. Non, c'est vrai en plus. Allez, ça arrive. Vous êtes prêts pour vous faire déchirer la gueule? Parce que moi, oui. Et. Ouais, pas sûr quoi. Qu'est-ce qu'ils ont les ennemis depuis l'autre épisode? Ils sont vraiment énervés. C'est moi parce que c'est vraiment nul aussi. On aurait fait le let's play en apocalyptique, sinon ce serait pas sorti vivant. Hein. Ça, c'est clair et net.
Limite, c'est les boss qui sont les plus simples. Enfin, quand t'as des ennemis groupés comme ça en nombre, c'est juste horrible. Mais arrête quoi! Arrête! D'habitude, je dis ça à mon chien, mais là. Allez hop là! Voilà! Qui d'autre va avoir affaire à moi? Personne, j'espère. Oh, putain! Allez, c'est bon. Ah non, je voulais faire le finish, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il soit aux oubliettes, lui aussi. Les pauvres, j'ai tous en deux. Tranché en deux. Allez, allez, allez. On a assez perdu de temps comme ça, on y va. Oui, c'est bien. Allez, c'est parti. C'est dommage que le dash soit pas aussi propulsé que dans Star Wars. Qu'il aille pas aussi loin en même temps. C'est pas un Jedi. Guerre. Quoique, c'est quand même un chevalier d'apocalypse, c'est pas rien non plus. Ah oui, je me rappelle de cet endroit qui est absolument horrible. Le mieux, c'est que je détruise toutes les chauves-souris. Ouais, c'est pas gagné. On est bien, on est bien, on est bien. On est même très très bien. On est au bout du rouleau, mais c'est pas grave. C'est quand que ça apparaît, bien sûr. Ouh, en plus, il va me tirer dessus. Et il me chope en plus. C'est merveilleux. Et j'ai pas le. Si, je l'ai tué. J'ai eu peur. Non, faudrait que je les shoote sur un endroit où je suis stable par exemple. Là, ça pourra très bien la faire. Faut juste pas qu'elles me foutent justement dehors parce qu'elles peuvent me propulser avec leur crachat de merde. Et non, non, guerre, non. Voilà. Ah là, toi aussi. Tout le monde y a droit. C'est la fête. Ouais. Allez, hop là. Toi aussi, t'es droit. Et l'autre, elle est beaucoup trop loin pour y avoir droit. C'est pas grave, elle y a droit aussi plus tard. Bon, on a un vitrail. On a deux vitrails, pardon, deux vitraux. Deux vitrails, bien sûr. Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas? Non, bien sûr que non. Je vais faire un dash parce que sinon je vais tomber dans le vide. Je vais quand même tomber dans le vide à cause de cette chourie. Chourie, oui. C'était le diminutif de chauve et souris, du coup ça fait chourie. Oh, je vais mourir. C'était idiot. J'en peux plus. Je préférais les énigmes de la cathédrale obscure, au moins. J'étais calé au jeu à l'époque. Allez, hop là. Un là, et un là-bas. Mais je pensais pas qu'il fallait faire tout de suite, en plus. Je pensais juste que c'était là, pour plus tard, pour le retour, pour les rayons, ou je sais pas ce que j'ai pensé. Oh, je peux. Oh, je peux. Ouf. Oh, on a gagné du temps. C'est la première fois de la vidéo qu'on gagne du temps. Et là, il y a un truc pas mal. Et si vous croyez que j'avais pas vu. Et si vous croyez qu'on peut y accéder aussi. Peut-être depuis l'autre plateforme. Mais j'ai pas envie d'y retourner. On s'arrête là. Ah, un petit combat. Non. Si. Non. Non. Apparemment, non. Mais tant mieux. Qui a dit que j'avais envie d'un combat? Pas moi. Oui. Voilà. Voilà. Pour savoir que ça a marché, il faut juste y aller. Ok, un combat. Je suis tout à fait prêt pour ça, hein, comme on a pu le voir avant. Bon, ça va, eux ils sont pas durs, ils font juste très très mal. Faut juste que je fasse un. Je sois le. Devienne le roi de l'esquive. Ou que je devienne le roi de la transformation KO. Oh non, j'ai voulu faire le dash, je l'ai fait en plus. Oh, il m'a mis un coup, je suis sûr. Allez, encore un. En plus, je suis invulnérable quand je le fais. Tranquille, il y a deux coffres de vie parce que. J'ai fait B au dernier moment. Il aurait fait un combo, je serais mort. Voilà, c'est dit. Et il y a en plus des filles qui se rajoutent, c'est génial, c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête pour tout le monde. Et même pour mes affections là. Allez, mourrez, crevez tous. Plus envie de vous en envie. C'est bon, elles ont pris des bonnes cibles en plus.
crois que la meuf aussi elle s'est fait prendre. Sorcière. Oui, c'est vérifié. Je pense que j'ai fait le tour. A priori, ça devrait être bon. A priori, non, hein. En fait, faut pas faire a priori. C'est pas une bonne méthode de. Je crois qu'il y en a un derrière moi. Je préfère pas me retourner en fait. Oh, le pauvre! Il a pas dû aimer. Je pense qu'il préférait avant en fait quand je m'énervais pas. Ah, je reprends du poil de la bête, c'est sûr. Là, je me sens chaud. Je me sens chaud bouillant, les amis. Et je me sens prêt à une nouvelle énigme que je suis pas encore sûr de connaître la réponse. Ah, une clé de l'observateur. Ok. Une clé d'observateur qui est juste ici, mais non. C'est un piège. Et on est obligé d'y passer dedans parce qu'il n'y a pas de. Oui. Si on fait ça. Si on fait ça. Oh. Peut-être que le piège il est dans l'autre sens. Ah non, pas du tout. Non, le piège était à l'ouverture du coffre. Mais est-ce que j'ai une clé au moins? Parce que ce serait pas cool que j'ai pas la clé du coup. Aussi. Alors faut que je me dépêche de tous les tuer parce que sinon je vais tomber dans le vide. Et ils sont énervés là. Aussi, autant énervés que moi. Allez hop là, toi tu vas prendre cher et tu vas mourir. Non, toujours pas. Si. Plus que deux, j'espère qu'il n'y aura pas de respawn. Et il y en a un, bien sûr. C'est-à-dire que ça va vraiment sinon. Oh, joli respawn. Une meuf et quatre gars. Ok, je suis prêt. Allez, boum. On va écouter combat. Je crois que la meuf, elle est en B. Je suis pas sûr. Ce serait merveilleux. Non, c'est pas sûr du tout, en fait. Faudrait qu'elle tombe dans le vide, en fait. Ce serait le... Oula, 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 oula. On se calme. Ouais, tu tombes. Mais moi, je vais tomber aussi si tu viens pas. Voilà. Voilà, c'est ce que j'appelle tricher, mais tricher loyalement. C'est pas possible, mais bon, on va inventer ce concept. Tricher la loyale. Ok, cette histoire de cache, ça me dit quelque chose. Ça me dit une ligne, enfin, ça me dit une ligne que je connais. Oh oui, les blocs, oh oui. Quand je dis oh oui, c'est jamais bon signe. C'est juste, oh non, pitié, pourquoi ça? Et c'est vraiment le cas, j'ai pas envie de faire cette énigme, je n'ai pas tant que ça au final. Faut se rappeler dans quel ordre il faut faire. Enfin, il y a un ordre, il y a des blocs à mettre dans telle partie du truc. Et est-ce qu'ils sont à mettre là maintenant? Parce qu'il me semblait pas que j'en avais besoin dès le début. Bon, apparemment oui, parce qu'il faut que je grimpe tout en haut. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais en mettre un ici, portail. Et je pourrais prendre le bloc. Oh là là, il faut 3 heures à bouger en plus, c'est génial. C'est que demander mieux, quoi. Donc voilà, de toute façon il sera pas aspiré tant que j'ai pas mis l'autre portail. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, puissance... non, bah, qu'est-ce qui me prend? Oui. Tout simplement. Peut-être pas en fait. Non en fait peut-être pas, j'ai cru que c'était trop simple. Ouais, donc du coup il faut que je baisse, faudrait que je baisse celui-là pour que je puisse sauter dessus. Non, faudrait que je baisse lequel? Si, celui-là pour que je puisse sauter dessus, pour que je puisse être deux. Ouh là là, c'est compliqué. On va réfléchir. Enfin, on va réfléchir, on va agir d'abord et après on réfléchira après. C'est la logique de, selon moi, c'est ma nouvelle logique. Voilà. Donc voilà, ça a baissé ça, comme je l'avais prévu. Pour l'instant, ça va. On est bien. On va chercher l'autre. Et jusqu'où il descend? Mais c'est merveilleux de pouvoir sauter dessus sans faire un effort. Et est-ce qu'il est toujours derrière moi? Ouais, j'espère que j'aurai besoin que d'un cube. C'est peut-être le cas. Alors, il est là. Il faut que je me déplace là. Peut-être que je vais pouvoir sauter. Peut-être pas. Hein. Peut-être que je vais devoir remettre un deuxième cube. Ok,
Et donc là, je ne peux pas sauter dessus. Et en fait, vous voyez, il faut que je saute là, dessus, pas dedans, dessus. Enfin, je sais pas, je vous prends pour des idiots, c'est juste que j'avais peur de pas être clair. Voilà. D'ailleurs, je ne suis pas tant que ça. Disons que... Oh non! Oh non! Pitié! C'est exactement ce que je voulais pas qu'il arrive. Oh, c'est gentil. Oh, c'est gentil ça. Mais ouais, il faudra que je fasse plus gaffe. Du coup, là, le deuxième, il est à mettre là. Voilà, tac. Si c'est pas ça, franchement, je comprends pas. Bah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que... Pourquoi c'est pas ça? Parce qu'il y a l'autre cube et qu'il veut pas. T'as pas envie? Je comprends. Ouais, mais ça m'arrange pas en fait. Peut-être qu'il faut que j'en baisse un deuxième pour que je puisse sauter sur l'un et après l'autre et après l'autre. Ça me paraît bizarre. Allez, on va tenter. Hein. Non. Voilà. Bon. Au point où on en est. Hein. Alors, on peut sauter sur l'un d'eux. On peut sauter juste là. Est-ce qu'on peut sauter dessus là? Mais non, même pas. Qu'est-ce qu'il cherche à me faire? Oh, si. Alors, le problème, ce serait que. Ouais. Je sais comment faire. Voilà. Si je trouvais. Ok, du coup. Ok. Ça marche. Merveilleux. Vous devinez ce que je vais faire. Ouais. Là, ça va être chaud. Non. Non. Allez, s'il te plaît. Je vais mettre juste un truc. Qu'est-ce qu'il y a pas avec toi? Bon, il va falloir que je remette le cube là-dedans. J'ai toujours là-bas. Non, je l'ai pas là-bas. Soit je m'y prends super mal. Soit les mecs ils se foutent de ma gueule. C'est pas cool. Quoi. Allez. Bon, faut que je refasse tout le chemin inverse. Allez. Je vais en profiter pour bouger le cube là. Quoi je peux... Ah, mais je peux vraiment pas. Je suis obligé de passer par celui là-bas. Désolé, hein, mais bon. C'est eux en même temps, ils sont pas cool quoi. Avouez. Ok. Eh, je vais te mettre au centre, regarde, c'est pas beau ça. Voilà. Si tu m'embêtes encore une fois, je sais pas ce que je fais, mais un truc pas bien. J'ai eu peur. Ouais. Ben non, faut que je monte sur toi dessus, viens. Non. Sur toi celui-ci, et après je fais ça, et après j'y vais. Je sais pas du tout si c'est ça qu'il fallait faire. C'était une mauvaise idée. Ah si, je continue de monter, je crois que je m'étais arrêté. Oh là là. Alléluia. Bon. On va chercher... On a la clé. On a des coffres pour un combat mythique qui s'annonce. Et oui, forcément, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Allez. On a 5 barres de vie, c'est pas mal. C'est pas mal. J'espère que le retour ne va pas être aussi hardcore que l'aller, là, parce que j'ai vraiment plaidé, comme vous avez pu le voir. Ouais, c'est les couloirs, donc c'est la zone de transition jusqu'au boss. Voilà. Des petits trucs. Non. Pas de petits trucs, pas de vitrail. Pas de vitraux, pas de vitrail. Ouais, on va s'abstenir de dire quoi que ce soit. Dorénavant. Mais attends, avant d'y aller. Faut que je débloque ce champ. Oh, j'ai dit quoi? J'ai dit avant d'y aller, guerre. Tu déconnes là. On va.
Oh, il m'aspire. Ok, j'aurais pas dû l'activer, on va le désactiver, comme ça il sera content. Et en plus, il y a un super truc à récupérer, et c'est... Mesdames et messieurs... Ok, un chargeur de trésor. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est... Ça peut être pas mal. Ok, on va tout ça là, à fond. Bah alors, garde tes ailes, gars. Je sais pas si c'était là où il fallait que j'aille, mais je suis. Il y a un autre truc là-bas. Qu'on vend. Oh, ça va, ça passe. Ils sont larges, hein, quand même, au niveau des prises de. Enfin, des prises tout court. Quand on s'accroche à un rebord, ils sont là. On peut être super en bas et on s'accroche quand même, ça c'est cool parce que sinon ça rendrait le gameplay peut-être impossible. Ou peut-être qu'ils ont mal géré leur. Enfin, ça m'étonnerait, mais peut-être qu'ils ont mal géré leur distance, du coup ils sont rattrapés au niveau de du gameplay. Je sais pas. Allez, deuxième robotisation. Faudrait que j'esquive ces... quand il est engagé, je sais pas comment faire. Ouais, non. C'est mignon, mais non. Allez, viens voir là-bas. Pour ceux qui en douteraient, je ne suis pas papa. Ça c'était débile, c'était méchant, c'était pas cool. Voilà, ce qu'il faut que je fasse, faut que je lui fasse briser ces vitres là. Non, c'est les trucs. C'est ce qui retient les vitres. Je suis à court de vocabulaire en fait. Non mais tu peux attendre comme tu veux, hein. Je sauterai pas sur toi, je peux pas. Pour l'instant, je peux pas. Au limite, il faudrait que je me prenne un coup plutôt que... Allez, viens. Lève ton bras. Non. Sois cool, hein, je fais des efforts. Bah arrête. Mais anticipe pas mes mouvements comme ça. Eh oh, tu m'as déjà enlevé 3 barres de vie ou 2. Bon, c'est pas grave, si je meurs, au moins je récupérerai toutes mes vies. Faut voir les... Les choses positives quand il n'y en a pas. Non mais c'est embêtant quoi. Tant pis hein, je bougerai pas ou je resterai sur... Genre est-ce que si je fais... Ouais, non mais le problème c'est que si je fais un dash là-bas, je raterris là-bas, même à l'autre bout quoi. Allez vas-y. Oh non. Ne sois pas idiot comme ça, tu m'attraperas jamais. Utilise des attaques qui me font mal. Ton super boost. Oh là là, je prends tellement cher. En même temps, ça c'est la faute de son électricité parce que je reviens sur la chaîne et du coup je me fais électrifier. Non, électrocuter, électrifier, je crois que tu meurs pas, électrocuter, oui. Vas-y, arrive. On n'est pas au bout de nos peines, hein. À mon avis, on va devoir recommencer le combat, je suis vraiment la vraie. Mais vous voyez comment il est débile. Regardez, il a qu'un seul œil. Non! Ça sert à rien! On perd du temps là! Allez! Du nerf! Aïe! Bon, tant pis. Je fais un truc là. Je fais un super truc là-bas. Il va arriver là-bas. Il va être gentil. Ok, c'est bon. Par contre, là, mais avec le peu de vie que j'ai, je vais pas pouvoir résister à son mode furie là. Donc, ah oui, c'est vrai, il y a ça à faire. Peut-être qu'il faudrait que j'active ma formation KO. Oh, c'était tout. Faut juste rester en coin ou un truc comme ça. Quoi, il fait une nouvelle attaque. Non, j'avais peur. Ok, je mets deux propulseurs comme ça, au moins, si c'est un causé ou l'autre, je serai sûr de. T'es pas loupé. Il reste des débris là, hein. T'as pas tout fait ton temps de travail, mais bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Enfin si, parce que t'es chien quand même. Ok, non. Je te déteste. Est-ce que... Ouais, mais je vais me faire avoir, si je peux par là. Je dirai quand il enlèvera. Je vais tellement prendre cher, j'ai plus que 2 vies et encore un truc à prendre, enfin, c'est même pas ça.
Allez, vas-y, vas-y, gars. Je pourrais un peu, je viens de tuer 6. Là, par exemple, je fais mon combo. Je reste au bord. Là, là, je sais pas si je suis. Ah! Ça fait peur. Peut-être qu'il faudrait que je passe en vue comme ça. En vue visée. Non, enfin, pas visée comme ça, mais. Pas visée ridicule, visée lock. Oh, s'il te plaît. Mais pourquoi il veut pas? Bon, d'accord, ok, c'est la période où je ne peux pas utiliser mon pouvoir. Ça doit être ça. Tant qu'il a pas fait son truc. Voilà, peut-être qu'en fait c'est ça le secret. C'est rester à distance. Bon, allez! Bon alors! Ok, fallait pas que je fasse LK en même temps, apparemment. Je pensais pas que ça affecterait, mais bon, apparemment si. Mais en fait, on s'en sort vivant, hein. On le tue en une seule fois. J'ai bien fait de pas abandonner du premier coup. Faut toujours persévérer. Et un petit. Ah si, B. J'avais peur. On va récupérer en plus de la vie, ça c'est génial. Ça c'est le bon truc positif des boss. Je crois que je vais récupérer deux vies, c'est. C'est magnifique. Pas deux barres de vie, hein, deux vies. Waouh, c'est vraiment génial. Donc ils sont là. Allez, c'est parti. On est reparti. Ouais, ça fait beaucoup de parties. Mm-hmm. Ah oui, c'est bon. De toute façon, ça, je crois que le truc là, le vitral par exemple, il allait descendre à Inus, c'est pour ça que je comprenais pas trop. Mais en fait, non, c'est bon. Et voici des réflecteurs comme vous avez pu l'imaginer. Voilà. Et je suis bien dans la merde parce que si on a un combat quand je sortirai d'ici, ben, je serai pas trop prêt. Parce que je crois pas avoir. Oh, si! Un code de vie. Ouais, et les réflecteurs ils marchent pas tous parce qu'il faut les réactiver avec le boomerang. Encore plus d'ennemis, mon dieu, c'est magnifique. Regarde ça. Je suis fait pour les énigmes. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà. Bon, je suis fait pour les énigmes. Ok, donc tu vas absorber. Et moi je vais tourner. J'espère que le troisième rayon va être beaucoup plus simple que c'est. Enfin, le premier ça allait. J'ai eu un peu du mal à démarrer, mais ça allait après. Mais celui-là, mais oh là là. Je sais pas combien de points de vue j'ai perdu. Bon. La bonne nouvelle, c'est que j'ai créé un portail ici. La mauvaise, c'est que je sais pas où il va mener si je le fais quelque part. Il faudrait qu'il soit pas là. Faudrait qu'il soit. Oh, je peux monter là. Bah non, c'est trop bien. Ouais, non, en fait, y a pas de truc à récupérer. Je crois que le coffre était de ce côté, mais non. Donc, du coup, faudrait que le truc il soit. Faut que. Oh, faut que je redescende. J'ai peur en fait de faire un truc qui me ferait refaire des trucs. Voilà, vous avez tous compris bien. Alors, il est où? Il est là l'interrupteur. Il faudrait que. C'est improbable. Faudrait qu'il soit en face de ça. Mm-hmm. Ah oui, il y a les réflecteurs des machins là, des trucs en bas. Ouais. Bon, ça va être sympa. J'espère que je vais pouvoir l'atteindre. Oui, bon, c'est bon. J'avais peur que fallait remonter en haut, etc. Mais non, ça va. Donc, va falloir que je jongle avec les interrupteurs et tout. Donc. Non, pas de ce côté-là. Alors, comment ils fonctionnent les interrupteurs? Celui-là, il est baissé au max. Celui-là, il n'a pas d'interrupteur. Tac, tac, tac. Et comment on fait ça? Peut-être qu'ils font un machin là-dessus. Ouais, plutôt. Et du coup, ça viendrait de là. Ouais, ça,
ce serait vachement logique de faire ça. Et qu'est-ce que tu veux que ce soit en face? Il a pas de réflecteur lui. Oh là là, je comprends pas. Ah mais non, c'est peut-être ce trou là en fait. Ouais, ça doit sûrement être celui-là, allez, on se décourage pas. Allez. Tu peux le faire, gars. J'ai dit que tu pouvais le faire. Hein. Ce cube, je l'ai envoyé dans les plus profonds. Ah mais non, c'est parce que c'est bloqué là de ce côté. Voilà. Ça, tu nous embêteras plus. Oh, c'est bon. Je fais du premier coup. Il n'y a pas de quoi être fier, mais bon, je suis content. Et il me reste deux coffres à l'extérieur, je les vois avec mon chercheur de coffres. Pour un combat, non, oui, si, ah, ben non. Du coup, on va les récupérer quand même. Peut-être qu'ils se sont rechargés parce que je les avais utilisés. Peut-être qu'il y en a eu plusieurs, je sais pas. Mais si je recharge, faudrait peut-être que je les utilise quoi qu'il arrive. Hein. C'est un peu débile de les laisser, je sais pas. Je peux regarder mon courroux, hein. Je le prends quand même. Ouais, j'étais au masque. Au max, c'est bien ce qui me semblait. Alors là, faut... Ouais. Faut d'abord s'occuper du rayon, et après, il faut s'occuper de... Oh. Vous allez comprendre. Enfin, c'est pas compliqué. J'en ai créé un sur le premier et sur le deuxième. Et voilà. Et après, c'est à mon tour de passer. Et donc, il y en a un ici, un là-bas. Je fasse ça. Il va arriver là. Et j'aurai plus qu'un demi-tour et ce sera bon. J'espère qu'il faut pas de propulsion parce que j'en ai pas mis. Bon, c'est bon. J'avais mis les ailes au cas où. Ok, on est bon. On a le truc là. On avait... Ah non, il y a encore le labyrinthe là. Ouais, ça, ce machin. Ok, c'est pas encore fini. On est déjà à 32 minutes de vidéo, mais je peux pas m'arrêter là. Tant pis, hein. Elle mettra plus de temps à uploader, mais bon. J'espère que ça en vaudra la peine. J'espère que je vais réussir assez rapidement. On a des... Ouais, quoi qu'il arrive, on a besoin de ça. Ok, on a besoin d'accéder jusqu'à là-bas. On peut pas sauter jusque là, ah, si. J'ai une autre idée, celle-là. C'est peut-être pas une bonne. Peut-être que cette plateforme-là m'aidera plus que si je suis là-bas de l'autre côté, donc faudrait que j'y aille. Plutôt que... Ouais. Ah mince, parce que là, je vais mourir. Je vais mourir. Allez, ouais. J'ai fait un truc utile avant de mourir. Mais bon, vu que c'est temporel, ça va pas suffire. Ah, il a fallu que je... Ouais. J'en ai encore pour pas mal de temps. Bon, il faut que je reparte de l'autre côté. Ouais, voilà, c'est temporel. Ça reste pas. Non. J'ai eu très chaud. J'aurais peut-être pas dû aller dans ce sens-là, c'est pas grave. Ok, y a... mais de toute façon, il y a trois interrupteurs, je pense qu'ils sont les trois activés en même temps, c'est pas compliqué de s'imaginer le truc. Faudrait peut-être que, si ça arrive là-bas, faudrait peut-être que je mette un truc. Je vais quand même mettre un portail de secours. Merde. Oh là là. Oh là là. Eh mais non, j'ai cru que j'allais m'en sortir. J'espère que le portail ne se mettra pas là. Bon, au pire, je pourrais toujours le mettre moi-même. Par contre, c'est bien long là quand tu dois attendre. Ok, j'en ai fait un. J'en ai fait deux. Et je meurs. Ah là là. Je sais pas si je vais couper ça en montage parce que c'est juste frustrant pour vous et pour moi. Enfin, encore plus pour moi parce que je me dis le temps défile et ma vidéo se rallonge et l'upload va être de plus en plus long et ça c'est triste.
tour, il est content, voilà. Là, il monte tout en haut, il arrive jusqu'au téléporteur, il arrive par là. Ok, bon. Oh yes! Oh là là! Ce qu'il faut faire, quoi! Bon, allez, adieu les coffres, hein. Tant pis. Hein. Il y en avait un derrière moi, mais. On va revenir au format des vidéos d'avant, 45 minutes. Mais oui! Pour un upload qui dure, attention, 2 jours et demi! C'était super solennel ce moment ascenseur, hein. Je parlais pas, on faisait des mouvements de caméra épiques. Franchement c'était cool. Ok, alors. On va s'activer et là c'est pas compliqué de faire le calcul. Hop là, hop là j'ai dit. Tant pis. Mais qu'est-ce que tu fais? Et moi je peux y aller alors que c'est... Oh là. Azrael c'est vraiment... Allez. C'est arrivé ou pas en fait? Si, l'univers est malade, cavalier. Le conseil ardent refuse de l'admettre, mais pour nous qui l'observons, nous savions qu'il fallait faire quelque chose. Une attaque contre le royaume des ténèbres serait une violation du traité. Tu as complètement perdu la tête! Azrael, le mal assombrit chaque recoin de la création. Les cieux attendent. Le conseil nous lie les mains. Douter du conseil revient à douter du créateur. Tu crois vraiment être mieux placé? Oh oui, mon ami. Je le crois. Si les sceaux sont brisés, les enfers enverront leurs élus pour déclarer la guerre. Leurs chefs sont réunis en un lieu, et là, nous trancherons la tête de la bête. Les gardiens des enfers sont prêts. Mais rompons les sceaux et déclenchez la guerre ultime. Le royaume des hommes n'est pas assez puissant. La terre sera détruite. Il n'y aura pas de guerre, Azrael. Nous éliminerons les forces des ténèbres bien avant. Le pacte est un contrat sacré. Même en cas de victoire, nous devrons faire face à la colère du conseil. Quand ils arriveront, les sceaux seront intacts. Et ce sera notre parole, la parole des cieux, contre celle du prince du mensonge. Alors, tu saisis? Les sceaux seront reforgés. Tous croiront que les armées des enfers ont attaqué avant d'être livrées à la justice par nous-mêmes. Pour la gloire de la lumière, le feras-tu? Oh, Azrael, vieux fou. On les a tous brisés sauf un. Abaddon a ordonné de laisser le dernier sceau intact. Il l'a lui-même protégé. En êtes-vous sûr? Tout à fait sûr. Nous ne voulions pas impliquer les cavaliers. Nous ne l'avions même pas imaginé, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pourtant, c'est moi qui paie le prix de votre trahison. Trahison ? Guerre ! Tu dois éliminer tous les traîtres, les faire payer, en commençant par celui-là. Non. Imbécile ! Tu fais fi de la volonté du Conseil ! Tu as entendu la confession de l'ange. Ma mission pour le Conseil est terminée. Nous t'avons fait. Tu es à nous.
trouver le destructeur et l'éliminer. L'équilibre, tu te rappelles? Lève-toi! Azrael vivra tant qu'il nous sera utile. Après, tu rempliras ta mission. Ok, bon, voilà, donc on est quand même super avancé dans la vidéo, on a fait pas mal de temps. Du coup, je vais m'arrêter là, on parlera de ce qui s'est passé dans la cinématique, des révélations qu'on a eues, du coup, plus tard, tant pis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura demandé beaucoup d'efforts et de concentration, donc voilà. Ça me fait toujours plaisir d'avoir autant de soutien pour vos messages et pour vos likes. Hein. Restez vous-même, continuez comme ça, ça fait plaisir. Et surtout, parlez-en autour de vous pour des gens qui seraient susceptibles d'aimer Darksiders ou autres d'ailleurs. Merci pour votre soutien. Je le fais pas souvent, je le dis pas assez souvent selon moi, mais bon, j'aime le dire à mes abonnés. On s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, je vais vous parler, mais bon, c'est pas grave. On se retrouve pour le prochain épisode Darksiders ou autre. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Je vous dis bye bye tout le monde. Allez, ciao.